Salut les amis. Bon, j'ai un petit souci de musique. On va essayer de lancer sans pour l'instant. On va essayer de lancer sans la musique pour l'instant. Donc bienvenue tout le monde. On se retrouve aujourd'hui à midi pour un cours de cross training. Salut Karine, j'ai eu un petit souci au niveau du son, donc je suis revenu. En attendant que je gère ça, on va commencer par un petit peu de mobilité comme d'habitude et après je vous explique l'entraînement. Donc sur le premier exercice, je vais vous tourner la caméra là-bas et on va se mettre contre le mur. Tac. Voilà. Ici les amis. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le genou gauche ici face à votre mur et avec le bras gauche ici, on va venir travailler la mobilité d'épaule. Donc vous allez lever ici et faire le tour jusque derrière en gardant la tête en face. On revient ici et on repart. Vous pouvez sentir aussi un peu au niveau de la hanche. On redescend, on remonte. On a fait une dizaine comme ça et on change de côté. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Voilà, on va chercher loin. On revient, une dizaine d'aller-retour. Ok, même principe de l'autre côté, on change de place, on va chercher derrière et devant. On va avancer un petit peu, voilà. Derrière, devant, pensez à inspirer, expirer. On va se repositionner juste en face. Voilà, parfait. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Ici, les amis, on va se positionner en bas. Ok, et on va venir faire des ouvertures pour les hanches. Pareil, une dizaine alternée. Et 10. Ensuite, on garde la même position. Vous allez mettre les mains sous les pieds ici. Ah, William, tu vas faire avec moi? On avance, on recule. Tu vas t'entraîner? Ouais. Pareil, une dizaine d'allers-retours. Avancez, créez un petit balancier avec les mains sous les pieds. On pousse bien les fesses en arrière. Et on remonte. Bon, on va voir si le son est revenu. Ça va les amis, tout le monde suit pour la mobilité, on va réchauffer un peu le cardio. Donc il y a un petit souci au niveau de la musique, dès que ça revient je vous mets ça tout de suite. Allez c'est parti, on va commencer, on repart sur les petits talons fesses, léger. On passe au genou, même principe. Et jumping jack, bras et jambes, comme ça on échauffe tout le corps. On repart, talons fesses, accélère un petit peu, genou, jumping jack. Tu veux pas venir, William? Tu veux pas venir? Dernier bloc. C'est vrai? T'es courbaturé? Ouais. Ah bah que t'es pas habitué, hein. Ouais, c'est ça. C'est spécial. Hein. Ouais. Ok, on relâche les amis. Buvez un petit coup tranquillement. Relâchez. Relâchez, respirez.
tout le monde qui a rejoint. Bienvenue Dominique. Ok, donc je vous explique le corps de séance. Aujourd'hui, on va faire 30 secondes de travail, 20 secondes de récup. Donc, on va faire des dips. Je vous explique le matos pour les dips. Moi, je vais le faire au TRX. Le matos pour vous, il faudra prendre deux chaises. Et je vous remonte le mouvement. Donc, prenez deux chaises ou une chaise. Ok. Ici, vous placez vos poignets en dessous des fessiers. Là, on descend à 90 et on remonte. On descend en serrant les abdos et on remonte. Donc ça pendant 30 secondes. Ensuite, il y aura 20 secondes de coupe, de pause. On prendra la corde à sauter. Donc pour ceux qui n'ont pas de corde, vous le faites directement en simulation, comme si vous en aviez une. Donc là, le but, c'est de faire le plus de sauts possible en 30 secondes. Dès que c'est fini, on relâche. Ensuite, on va passer tac. Ici, on va faire la planche en décollant une main à chaque fois. Donc ici, on décolle, on revient. On décolle, on replace. On décolle pendant 30 secondes. Et le dernier exercice, on va faire des fentes et des squats. Donc on va faire fente à gauche, fente à droite, et on atterrit ici en squat. Tu veux toujours pas le faire, William? Donc vous avez possibilité de le faire en arrière pour un peu plus de stabilité, on descend tranquillement, et ainsi de suite. Donc comme d'habitude, chacun son rythme, il y a un temps de travail, un temps de récup, donc vous le faites selon votre ressenti. Si c'est trop dur, on ralentit un peu. Et puis si vous êtes en forme, pendant 30 secondes, on envoie de la répétition le plus possible. Je recheck la musique les amis, et on commence. Bon, c'est pas grave. On va attendre un petit peu, ça va être moi la musique. Ah bon? À ce point-là? Bon, on a fait beaucoup de répétitions. Hein. Ouais, bah ouais, on a fait beaucoup. Parce que c'était différent. Ah bah oui. C'est pas pareil. Je vais me mettre là. Vous êtes prêts, les amis? Allez, top, c'est parti. 30 secondes. On commence par les dips. On descend et on remonte. Je vais m'arrêter à 50. Allez, on descend. On serre les abdos. On pousse. Allez, 10 secondes. Go. 3, 2, 1. Top, on relâche. Là, vous prenez 20 secondes de récup. Et on enchaîne avec la corde à sauter. Corde à sauter. Soufflez, hein. Prenez le temps. Prenez le temps, relâchez. Tac, on va baisser un petit peu ça. Voilà, super. Prenez le temps, les amis, récupérez. Et top! On repart. Allez, c'est parti. 30 secondes de corde. Donc, ceux qui n'ont pas de corde, on simule. Comme si on avait une corde à sauter. Pieds joints. Et 30 secondes. Allez, pensez à bien respirer. Cinq secondes. Top, on relâche. Ça va être costaud, hein. Troisième exercice, la planche. On décolle un bras à chaque fois. Et on part pour 5 tours, comme ça. Allez, les amis, 3, 2, 1, top, c'est parti, 30 secondes. Allez. Allez, dernier exercice, donc fente à gauche, fente à droite et squat. Quand t'as fini, tu passes en salle. Ouais, à tout à l'heure, oui. Bon bah oui, t'as pas voulu m'accompagner aujourd'hui. Il a peur de souffrir. Allez, top, c'est parti les amis, go.
fente gauche, fente droite et squat. Allez, on enchaîne. Gauche, droite, squat. Allez. Allez, 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 allez. 10 secondes. Et on relâche. Parfait tout le monde, on prend une petite minute de récup et on part sur un deuxième tour. Je vais voir si la musique est revenue. Ça va tout le monde? Vous récupérez tranquillement. On va repartir sur les dips. Pour le premier exercice, il nous reste 30 secondes. Allez, buvez, marchez tranquillement. Récupérez. Donc dips, corde à sauter, planche, squat, gauche, droite et fente. Ok? On a fait un tour. Pour ceux qui rejoignent, il en reste 4 et après, on travaillera le ventre et les abdominaux. Allez, 10 secondes, on se prépare. On va tourner un petit peu la caméra. Tac, super. Allez, c'est parti, deuxième tour. Go. Allez, on stabilise bien, on pousse. Allez, allez. Allez, on s'accroche. 5 secondes. Et top, on relâche. 20 secondes de repos. On va enchaîner avec la corde à sauter. Vous êtes prêts, les amis? On part dans 5 secondes. Allez, on s'accroche. On envoie le plus de répétitions possible. 3, 2, 1, top, allez, 30 secondes. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas de corde, vous faites pareil que moi, sans corde. On bouge les bras, les petits sauts, et on enchaîne. Allez, 10 secondes. Et top, on relâche. Ça va tout le monde? Vous suivez? Allez! On enchaîne avec la planche. Allez, préparez-vous. On va bientôt partir. 3, 2, 1. Top, let's go! Allez, planche. Belle position. Et on décolle les mains. Allez, pendant 30 secondes. Allez, on s'accroche, on tient, on résiste. Et on relâche. Parfait tout le monde. Dernier exercice, fente, fente et squat. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ça fera 2 tours, il nous en reste 3 ensuite. On y va les amis. Allez top, c'est parti, go. Et un squat. Fente gauche, fente droite, on atterrit en squat. Allez, on enchaîne, continue. 2, 3, allez, go. Allez, encore un peu, 5 secondes. Et on relâche.
tout le monde. Fin du deuxième tour. Il en reste 3. Allez, buvez, relâchez tranquillement. Marchez un peu. Récupérez. On souffle. On récupère tranquillement. Ça va tout le monde, vous suivez? Allez, allez, allez. On se motive. Allez, on va attaquer le troisième tour, les amis. Il nous reste 15 secondes. On souffle et on repart du coup avec les dips. Donc moi, je l'ai fait sur le TRX, comme je vous l'ai expliqué en début de séance. Faites-le sur une chaise. Vous prenez deux chaises, même principe, on place les bras, on descend à 90 et on pousse. Ok? Allez, c'est parti, troisième tour. On repart sur les dips, 30 secondes. Allez, top! On inspire sur la descente, on pousse, on souffle. Allez! De récup et on enchaîne avec un peu de cardio, corde à sauter. Je suis désolé les amis, il n'y a pas de musique, on a un petit souci au niveau du son. Vous êtes prêts? 2, 1, top, on repart. Allez, 30 secondes. Allez, allez, on s'accroche, pieds joints. Garde le rythme. 10 secondes. J'ai pas de musique. Mon téléphone, il se connecte pas. Pas grave. Je vais chanter après. On récupère 20 secondes. Tant pis, hein. Ouais, ça marche. Allez, vous êtes prêts les amis, on enchaîne. Allez, top, planche, et on décolle les bras. Allez, 30 secondes. Allez, 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 jusqu'au bout. Si c'est trop dur, on peut poser un genou au sol, pardon. N'hésitez pas. 10 secondes, allez, stabilise bien avec les épaules, et on relâche. Dernier exercice les amis, fente, fente et squat, et ensuite il nous restera 2 tours, 2 derniers. Allez, on s'accroche tous ensemble. Allez, go, c'est parti. Allez, jusqu'au bout, on y va. Il reste 5 secondes. Et on relâche. Bravo tout le monde. Fin du troisième tour. Ça va? N'hésitez pas à envoyer des petits cœurs, des petits pouces pour savoir si tout va bien. Il nous reste 2 tours. Allez. Posez-vous une minute, récupérez. Et on attaque l'avant-dernier. Ça va, tout le monde suit?
Si vous avez des questions sur les exercices, n'hésitez pas. Bien sûr, tout est adaptable. Hein. Je vous ai mis des exercices à chaque fois. Je vous mets des exercices pour pouvoir s'adapter. Allez, 10 secondes. Et on attaque l'avant-dernier tour. On commence à se préparer. On se met sur le premier atelier. 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. Avant-dernier. Allez, on serre bien les abdos et on envoie. 15 secondes. Allez, jusqu'au bout. Et top, on relâche. Allez, 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 allez. 10 secondes. Et on enchaîne sur la corde à sauter. Allez, top, c'est parti les amis, 30 secondes. Allez. On envoie de la répétition. On y va. Allez, 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 allez. 10 secondes. Et top, on relâche. On enchaîne avec la planche. Allez. Allez, les amis, jusqu'au bout, on y va. 10 secondes, on repart. 2, 1. Top. Allez, go. N'oubliez pas l'option. Vous pouvez descendre un genou au sol et toucher. Ça travaille aussi, hein. Allez. Allez, dernier exercice et après on attaque le dernier tour. Allez, 10 secondes de récup encore. Ça va tout le monde, on s'accroche les amis. Allez, il reste pas beaucoup. Allez, top, c'est parti. Fente. Fente. Et squat. Allez, go. 30 secondes, allez. On y va. C'est le dernier tour après, ce sera la dernière répétition. Allez, 10 secondes. Allez, allez, jusqu'au bout. Et top, on relâche. Allez, buvez un coup, récupérez. Une petite minute et on attaque le dernier. Dernier tour les amis. Allez, on y va, on y va, on y va. Ça va tout le monde? Vous récupérez tranquillement. On se fait le dernier tour. Après j'ai un petit tabata à vous faire pour les abdominaux. Mais ce sera bon. Allez, on se prépare, on va enchaîner sur le dernier tour. 10 secondes, on se prépare, on se met sur l'atelier. Le premier, les 10. Allez, top, c'est parti. Allez les amis, dernier tour, dernière répétition. Secondes, allez, jusqu'au bout. Et on relâche.
Dipsterix. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est très costaud. Allez les amis, on se prépare, corde à sauter. 3, 2, 1, allez top. Allez. Secondes. Cherchons l'équilibre, on engage bien les abdominaux. Et on relâche. Allez, 20 secondes de récupération. Et on termine par fente à gauche, fente à droite et un squat. Allez, amis, on s'approche de la fin. Fin du circuit. Allez, top, c'est parti, let's go. Allez, fente, fente et squat. Pensez à regarder en face de vous à chaque fois pour être sûr d'avoir une bonne posture au niveau du dos. Allez, allez, allez. Secondes. Dernier. Et top, on relâche. Bravo tout le monde. Fin du circuit. Je vous laisse par une petite minute de récup et on enchaîne sur le Tabata abdominaux. Je bois un coup et je vous dis tout ce qu'il va falloir faire pour ces petits exercices. Récupérer, souffler, ça va tout le monde? Ça suit toujours. Allez, on récupère tranquillement. Donc, je vous explique les amis. Je vais tourner un peu la vidéo du coup maintenant par ici. Voilà, super. On va faire un Tabata. Donc, 20 secondes de travail et 10 secondes de récup. D'accord? Donc, pendant ces 20 secondes, ce qu'on va faire, vous le connaissez déjà, le climber en planche. On ramène les genoux à la poitrine le plus vite possible. Ok? Dès que ça sonne, enfin dès que je vous le dirai, puisqu'il n'y a pas de musique du coup, on fera 10 secondes de repos. Et on repart sur 20 secondes. On fait le même principe, sauf que là on vient pivoter sur les côtés. On rentre à chaque fois à l'intérieur. Et 10 secondes de repos. Ok? Donc un Tabata c'est 4 minutes non-stop. Ça fait 8 passages. Donc 4 passages climber dans l'axe et 4 passages climber latéraux sur les côtés. Ok les amis, allez, on se prépare, on y va, 3, 2, 1, top, c'est parti, allez, 20 secondes, allez, 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 on tient jusqu'au bout, allez, allez, top, on relâche. 10 secondes de repos. 3, 2, 1. On enchaîne le même principe sur les côtés. Allez, c'est parti. 3, 20 secondes. Allez, les amis, on s'accroche jusqu'au bout. Allez. Top, on relâche. 10 secondes et on repart en climber dans l'axe. 3, 2, 1, top. Allez.
Et top en relâche. 10 secondes. On se prépare les amis. On enchaîne sur les côtés. Ça fera déjà 4. Il en reste plus que 4. On a fait la moitié. Après celui-là. 2, 1, top. Allez. Allez les amis, 10 secondes. On vient bien croiser, bien sentir les obliques travailler. Et top, on relâche. On a fait la moitié, il reste 10 secondes de repos. Et on repart sur les climbers. Allez, 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 allez. C'est parti. N'oubliez pas de gérer l'effort, c'est long, hein. 4 minutes non-stop. Allez. 10 secondes. Top, on relâche. On récupère. 10 secondes. On souffle. On se calme tranquillement. On relâche. 2, 1. Et on repart. Allez, 6e. Allez, 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 allez. Et on relâche. Il en reste 2. 3. 2. 1. Top, on repart dans l'axe. Allez, avant-dernier. On s'accroche. Allez, 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 allez. 20 secondes. Messieurs, dames. Dernier exercice, allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti, allez. On vient bien chercher les obliques, on croise. Allez. Allez, encore, 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 encore. Et top, on relâche. Bravo tout le monde, félicitations. On récupère tranquillement. Buvez un peu, relâchez. Et on va s'offrir ce petit moment de détente habituel. Allez, récupérez tranquillement. C'était chaud celui-là. Récupérez, soufflez, relâchez tranquillement. Relâchez tranquillement, on va passer à la détente, on va s'étirer tranquillement. Vous êtes prêts les amis? On va faire l'exercice type qui fait du bien à la récupération. Ok, les genoux ici, on vient les basculer sur le côté et on met la tête de l'autre sens et on récupère. On inspire, on souffle tranquillement. On passe au milieu. Main principale de côté. On inspire, on expire. On vient au milieu. On se lève. Tout doucement. Et on vient chercher la pointe des pieds. Donc là, ça dépend de la souplesse de chacun. Si c'est les genoux, si c'est les chevilles, peu importe. On essaie d'aller le plus loin possible. Donc comme vous le voyez, moi j'ai une souplesse légendaire. On essaie de descendre. On grappille un petit peu à chaque fois. À l'aide de la respiration, on inspire, on expire tranquillement. On descend. On essaie de grappiller des petits centimètres à chaque fois. Et on relâche tranquillement. On va se positionner sur les genoux. Ici, on va pousser les fesses et les hanches en arrière et on va détendre le dos. On vient chercher devant à s'étirer le plus loin possible. D'accord ? On essaye de repousser le sol et d'emmener les fesses au niveau des talons.
Allez. On pousse, on pousse, on pousse. On revient, on met le bassin au sol ici. Et on relève le buste. On relâche. On essaie d'avoir un bon placement au niveau des épaules. On inspire, on expire. Et on revient se placer. Voilà les amis, fin de l'entraînement. C'est du bien, hein, je suis en sueur. Donc n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ce live en replay sur le Facebook du club et sur le YouTube. Désolé pour la musique, il y a eu un petit souci au niveau de l'enceinte. Donc on l'a fait sans musique, mais c'est sympa, ça change un peu. Et voilà les amis, donc n'oubliez pas les entraînements de la semaine prochaine. Seb vous enverra le petit planning. Et puis moi je vous dis à jeudi prochain, même heure, midi, en forme. Et cette fois-ci avec de la musique. Et j'ai un invité pour vous aussi, pour la semaine prochaine. Donc voilà, soyez prêts. Allez, bonne journée tout le monde, à bientôt. Au revoir.